La e-santé, bientôt une réalité au Burkina Faso. Ce projet qui vise l'amélioration de la qualité des soins par l'optimisation de l'innovation grâce aux technologies de l'information et de la communication sera expérimenté dans la toute nouvelle formation sanitaire de Nanoro. Un centre construit à plus de 200 millions de francs CFA par deux ONG. Un geste salué à sa juste valeur par l'État à Burkinabé. Et puis, une meilleure prise en charge des patients, c'est également l'ambition de la journée de l'excellence au centre hospitalier régional de Gawa. 10 personnes physiques et morales ont vu leur ardeur au travail distingué. Une invite à plus d'abnégation au travail pour le bien-être des populations. Voilà pour la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Nanoro, dans la province du Boulkiemde, a un nouveau CSPS financé à plus de 200 millions de francs CFA. L'infrastructure est l'œuvre de deux organisations non gouvernementales qui œuvrent depuis 25 ans pour le bien-être de la population de Nanoro. Ces 25 ans d'engagement ont été salués par l'État par des médailles. La cérémonie d'inauguration du centre a servi de cadre pour le lancement du projet e-santé. Des précisions dans ce reportage de César Carrefour, Mariam Dao et Zoubaviel David à Dabiré. Le docteur Gérard Fournel, distingué officier de l'ordre national, à cette cérémonie d'inauguration du dispensaire urbain de Nanoro. Une reconnaissance de l'État burkinabé à ses partenaires au développement, en l'occurrence l'ONG Respublica et l'association Entraide médicale et jeunes Jeannot, engagée depuis 25 ans dans le domaine de la santé aux côtés des populations de cette commune. Beaucoup de joie parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour votre pays. Comme je disais tout à l'heure, je l'aimais depuis alors qu'il s'appelait encore Haute-Volta. Ce centre, d'un coût de plus de 200 millions de francs CFA, est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique et des logements pour le personnel soignant. Il va contribuer au renforcement de l'offre sanitaire. Nos partenaires ici présents, nous disons que notre reconnaissance pour eux est éternelle, tout simplement parce que ce joyau, j'avoue que nous en avions besoin. Le CSPS urbain, avant l'édification du bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, était donc dans des conditions pas des meilleures. Les normes sanitaires n'y étaient plus. Donc il était de bon ton qu'on puisse avoir un nouvel édifice. Vous avez dû constater avec nous que cette formation sanitaire, qui est appelée CSPS, à des normes quand même hors CSPS, et c'est avec bonheur que nous constatons cela. Et je pense que très rapidement, nous allons prendre des dispositions pour qu'il puisse évoluer en centre médical, encore pour renforcer davantage la qualité des soins qui y seront offerts. L'inauguration de ce CSPS est aussi l'occasion pour le ministre de la Santé de lancer un projet de e-santé dont ce centre fait partie des structures pilotes. Un projet qui vise à améliorer la qualité des soins par l'optimisation de l'information grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. En attendant d'étendre ce projet à toutes les formations sanitaires, le personnel du centre hospitalier régional de Gawa se bat comme il peut pour une meilleure prise en charge des patients. L'abnégation au travail de certains agents et services ont été récompensés par des attestations. C'était à l'occasion de la journée de l'excellence qui vise une saine émulation entre personnel soignant, mais aussi entre services. Le témoignage de Justin Karambiri et Issiaka Nana. L'excellence magnifiée ici au centre hospitalier régional de Gawa. Du meilleur service en passant par le meilleur agent, ce sont au total 10 personnes physiques et morales qui ont vu leur mérite distingué. Ce sont des sentiments de joie et de gratitude envers mes supérieurs qui ont porté ce choix sur moi. Ils m'invitent à mieux me donner dans le travail et à mettre le malade au centre de mes activités. Cette distinction montre que les supérieurs voient l'effort fourni par les agents de l'imagerie médicale. Et également, une invite au service de doubler d'efforts et aux autres services aussi de prendre l'exemple sur le service d'imagerie médicale. Au-delà de cette reconnaissance, cette journée de l'excellence se veut un cadre d'émulation pour l'ardeur au travail, le courage et l'abnégation de ces agents qui se battent nuit et jour pour donner ou pour sauver des vies. Comme vous voyez un peu la composition de ces actions,
c'est célébrer, magnifier l'excellence. Enfin, nous étant une structure de référence, je pense que nous devons être un hôpital de performance. Performance pour le bien-être des populations. Pour ne pas dire la meilleure prise en charge de la santé des populations de la région du Sud-Ouest. Cette cérémonie fut l'occasion pour les premiers responsables du CHR de Gawa de traduire leur reconnaissance aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite, mais également de présenter ceux nouvellement affectés dans le centre hospitalier régional de Gawa. Le centre hospitalier régional de Fada vient de bénéficier du soutien de la Jeune Chambre internationale section Gourmand. Elle lui a remis du matériel pour mieux accueillir les usagers du centre. Le matériel a été remis au cours de la cérémonie de passation de charge entre les présidents sortants et entrants. C'était en présence de Alassane Kendrebeogo, Clarisse Onikema et Mahamadi Ouedraogo. La Jeune Chambre internationale JCI section du Gourmand vole au secours du centre hospitalier régional de Fada. 10 bancs et 20 tabourets, c'est le soutien qu'elle apporte à cette structure sanitaire de la cité de Niendabili. Un geste qui sonne comme une bouffée d'oxygène selon le représentant des bénéficiaires. Les besoins de l'hôpital ici, on n'en finira pas. Nous accueillons beaucoup de monde à l'hôpital. Alors donc le simple fait de pouvoir donner une place assise à chaque personne qui rentre à l'hôpital est louable. À cette cérémonie, les membres de la JCI FADA ont également présenté au public leur nouveau président. En prenant les rênes de cette structure associative, Pascal Zongo place son mandat sous le signe « Agir avec la communauté pour la communauté ». Les défis à relever sont vraiment nombreux. Il y a des défis dans le sens de la cohésion sociale, il y a la santé et à l'environnement. Aujourd'hui, ils doivent être des étoiles pour les autres et jeunes pour pouvoir impacter son milieu de vie. Ça commence par la famille, la communauté dans laquelle ils vivent et aussi le pays. Pour le nouveau président élu pour un an, plusieurs actions sont au menu de son programme. Il s'agit notamment de l'organisation des journées de sensibilisation sur la citoyenneté, des journées de don de sang et de celle de soutien aux forces de défense et de sécurité pour préserver la paix au Burkina Faso. Nous restons dans la commune de Fada où 20 nouvelles compétences en coupe couture font leur entrée sur le marché de l'emploi. Elles constituent la 12e cuvée du centre de formation Idriss Couture de Nagré. Et grâce au partenariat entre le centre et le fonds enfants, les lauréats ont reçu des kits d'installation et des fonds de roulement, le tout d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Le centre de formation Idriss Couture de Nagré met sur le marché de l'emploi 20 jeunes formés en coupe couture. Avec un taux de succès de 100%, les apprenants de cette 6e promotion ont été jugés aptes à exercer un emploi à l'issue de 3 ans d'apprentissage. Chaque année, ils recrutent des apprentis pour former. Grâce à l'appui que Fonds Enfants a appuyé et que aussi tous les gens du village ont assisté à cette cérémonie, ça motive même à ceux-là qui partent au site minier de rester sur place pour travailler. À cette cérémonie, chacun des apprenants a reçu une attestation de fin de formation, un kit d'installation et un fonds de roulement d'une valeur de 50 000 francs CFA pour son insertion socio-professionnelle. En leur donnant ces kits, nous visons aussi à leur donner un peu un emploi qui puisse permettre à ces jeunes-là d'avoir un revenu et de pouvoir prendre en charge vraiment leurs besoins et surtout aussi soutenir leur famille. Ah, en tout cas, ça peut me servir d'ouvrir mon atelier, travailler bien pour devenir quelqu'un demain. Pour le représentant du parrain, cette formation que ses filles ont bénéficié répond à un défi que le gouvernement burkinabé a à cœur de relever, celui de permettre aux jeunes d'entreprendre et de créer des emplois. Il les invite à faire preuve de responsabilité dans la gestion des équipements acquis. Cap à présent sur la ville de Sia pour voir comment certains jeunes s'essaient à la maîtrise de la langue de Shakespeare. C'est à travers un concours d'art oratoire organisé par l'Université Aube Nouvelle. Jusqu'au mois d'avril, ce concours devrait permettre non seulement de développer la capacité des étudiants à s'exprimer en anglais, mais aussi à former des leaders intègres. Le lancement du concours a eu lieu le 10 février dernier en présence de Lamine Karantao et Mireille Carole Tougma. Les étudiants de l'Université Aube Nouvelle
s'exerce en art oratoire dans la langue de Shakespeare. Un concours qui vise à promouvoir l'anglais. Ça va permettre non seulement aux étudiants d'être encore plus proches de la langue anglaise et éventuellement de les encourager à avoir le goût de l'anglais. Vous savez que c'est une langue internationale, c'est la langue la plus parlée au monde. Et si déjà à l'université les étudiants s'intéressent à ça, c'est sûr que ça va beaucoup leur apporter dans la vie active. Pour moi en tant qu'étudiant, c'est d'abord pouvoir m'exprimer en public et aussi en anglais. Donc c'est une opportunité pour moi d'accomplir une formation complète. Le thème de cette édition porte sur la lutte contre la corruption. Un thème qui participe au renforcement de l'intégrité. L'objectif, c'est de préparer nos étudiants à être des leaders complets au fait des problèmes de la société et capables d'imaginer des solutions pour résoudre ces grands fléaux de la société. Cette première édition de ce concours d'art oratoire en anglais se déroulera jusqu'en avril au sein de l'Université Aube Nouvelle. Elle est organisée par le club d'anglais de la dite université. L'artiste musicien LG Abdoulaye Yossi à l'état civil vient de mettre sur le marché discographique son premier album solo, une œuvre de 13 titres intitulée « A Khalfa », sa dédicace avec Drissa Traoré et Moussa Sano. La carrière solo de LG est désormais une réalité. Ce mardi 14 février marquait la sortie officielle du tout premier album de l'artiste musicien. Composé de 13 titres et baptisé Khalfa, ce opus parle du pardon, du respect du prochain ou encore de l'amour. Pour moi, c'est une nouvelle aventure, cet album, parce que c'est une carrière solo. Et donc, je me suis dit, c'est tout à fait logique pour moi de confier cet album au Tout-Puissant, qui veut dire Khalfa Anjoula. J'essaye de donner courage à mes frères et sœurs de se battre, parce que voilà, il faut être ambitieux, il faut avoir des visions fortes, il faut avoir le courage d'avancer. Et il faut aimer aussi son prochain, comme on l'a dit, et il faut toujours persévérer. Ce nouvel album de LG est réalisé par Sulu Productions. Enregistré à Bobo-Dioulasso, il est chanté en Djoula, Fulfulde et français. C'est un album qui a plusieurs colorations, et les messages également qui véhiculent dans ces différents morceaux, ce sont des messages conscientisants, éducatrices, et surtout très conseillères. Moi, je pense que de nos jours, nous avons plus besoin des artistes qui font passer des messages qui peuvent apporter un plus à ceux-là qui écoutent la musique. En tant que producteur, ça me va droit au cœur. Cela veut dire que les titres sont de belles factures et que je n'en doute point que l'artiste aujourd'hui qui a énormément de talent et qui ne pouvait que donner cette œuvre-là de belles factures. Par cet album, LG et son staff entendent conquérir le cœur des mélomanes. Il prévoit dans les prochains jours un lancement à Ouagadougou et des concerts tant au Burkina qu'à l'étranger. Voilà, bon vent à l'artiste. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour la grande messe de l'actualité. À demain.